Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry. Quel privilège de vous accueillir ce matin pour un autre moment béni dans sa présence. Alors qu'on va louer, on va partager la parole, on va prier ensemble. N'oubliez pas vos sujets urgents de prière. Vous pouvez me les envoyer sur www.stéphanekerry.com ou sur mon mail personnel à skerry@nouvellevie.com. Et dites-moi d'où vous êtes ce matin, le beau pays, la belle ville d'où vous venez. On va démarrer cette matinale avec un chant, bien sûr, magnifique, qui s'intitule « L'amour a triomphé ». Tellement vrai, cet amour qui triomphe toujours. Toujours, il y a de la puissance dans l'amour. Non, dans notre amour propre, mais dans l'amour de Christ au travers nous. Alors, composé par Mylène Kerry et Julien Adam. La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. Affligé par nos défaillances, nos blessures et nos chaînes, tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice, fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera alléluia. Viens accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Apprends-moi à tout pardonner, suivant ton cœur, ô Dieu. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera alléluia. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera alléluia. Toute arme forgée contre moi, ensemble. Toute arme forgée contre moi est brisée. La mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Oh, oh, oh. Est brisé, la mort a perdu son pouvoir. Car le Dieu qui habite en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chante.
chantera Alléluia. Avoir le thème de ce matin, avoir un cœur humble et enseignable. 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et j'aime ce que les commentateurs bibliques disent à propos de ce texte, que la Bible n'est pas juste un ensemble d'histoires, n'est pas juste un ensemble de fables ou de mythes ou d'idées humaines à propos de Dieu. Ceux qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit et en fonction de leur contexte culturel et historique, bien sûr. Ils ont écrit ce que Dieu voulait qu'ils écrivent. Et c'est pour cela que les Écritures sont dignes de confiance, car Dieu a contrôlé la composition de ces textes-là. Alors, si la Bible est inspirée de Dieu, on a toutes les raisons de la lire et de s'en inspirer, n'est-ce pas? Alors, il y a malheureusement trop de personnes qui vivent leur vie chrétienne sous le joug du légalisme et qui ne sont pas malheureusement enseignables. On en a déjà parlé et c'est toujours quand même, faut le répéter ça, nous sommes champions pour nous créer des règles, nous sommes champions pour nous créer des règlements, pour nous créer des lois. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un revolver pointé vers eux, et pourtant c'est beaucoup plus une lettre d'amour que des règles difficiles à suivre. Lisons-la non pour acquérir juste de la connaissance, bien sûr, mais afin qu'elle nous conduise à faire le bien et d'être honorable aussi. Alors, je l'appelle aussi le manuel du fabricant, parce qu'évidemment, c'est un guide fantastique pour notre conduite personnelle et pour savoir comment vivre. Et si on l'applique, elle va changer notre destinée. Vous savez, il y a Esther Collins qui a dit ceci: « Le Saint-Esprit de Dieu est notre meilleur professeur, notre meilleur conseiller, notre meilleur guide. Vous avez peut-être entendu dire qu'il ne pouvait pas comprendre, que quelqu'un ne pouvait pas comprendre la Bible en la lisant. La raison en est que seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous révéler les vérités de Dieu. Par conséquent, seule une personne spirituelle qui est habitée par le Saint-Esprit peut recevoir ses aperçus spirituel. Nous pouvons aussi avoir vécu des moments où nous luttons contre le péché, nous luttons contre la tentation ou une situation compliquée, où le Saint-Esprit de Dieu nous rappelle la parole de Dieu et nous donne la force de surmonter ces épreuves et ces tentations. Le Saint-Esprit de Dieu est cette petite voix de Dieu encore en nous qui nous incite constamment à marcher dans les voies de Dieu et à vivre une vie qui lui est agréable. Esther Collins qui a dit ceci. Et après avoir dit tout ça, pour se faire corriger, pour se faire instruire, pour se faire enseigner et convaincre, ne pensez-vous pas que ça prend un esprit humble, un esprit d'humilité, pour grandir plus près du cœur de Dieu? Ça prend un cœur humble et enseignable. Le psalmiste dira: il conduit les humbles dans la justice et il enseigne sa voie. Il leur enseigne sa voie. Alors, souvenez de ce texte, vous savez, dans Deux Rois, alors que Naaman, le commandant de l'armée syrienne, avait été infecté par le COVID-19, avait été infecté par la lèpre. Et lorsqu'une esclave juive qui travaillait pour sa femme lui a conseillé d'aller voir le prophète Élisée, eh bien, justement, pour se faire soigner, alors Naaman a suivi la suggestion de sa servante, et il s'est rendu en Israël avec ses hommes auprès d'Élisée, le prophète. Et alors que Naaman se tenait à l'entrée de la maison d'Élisée, eh bien, il fut agacé par... alors que le prophète n'est même pas sorti pour aller à sa rencontre pour lui accorder, quoi, une guérison instantanée. Alors, mais lui...
il lui a plutôt ordonné d'aller par l'intermédiaire de son serviteur, d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain. Dans le fleuve du Jourdain. Alors, le fleuve, ouais, c'est pas tellement large. Si on compare au fleuve Saint-Laurent ici au Québec, c'est pas un fleuve. Le Jourdain, ce qu'on appelle un fleuve à comparer à notre fleuve Saint-Laurent, c'est un ruisseau. Alors que Naaman se tenait en colère et se trouvait en face d'un dilemme, à savoir s'il devait ou non obéir à justement au prophète. Ses serviteurs lui ont fortement conseillé d'y aller et d'obéir aux paroles du prophète. Et là encore, Naaman a suivi les conseils de ses serviteurs et tel que ça a été dit, que ça a été écrit, Naaman a reçu sa guérison miraculeuse parce qu'il a obéi. Naaman est un grand exemple justement d'un homme au cœur humble et enseignable. Alors c'était pas facile, c'était pas évident pour lui, un commandant de l'armée syrienne reconnue avec une notoriété à qui on va chez toi, la personne ne sort même pas de chez elle pour aller l'accueillir et tout ça. Va te laver 7 fois dans le Jourdain, mon ami, puis ça va partir, ça va te quitter. Alors, c'était pas évident pour lui d'avaler ça, mais il l'a avalé. J'espère qu'il n'a pas trop avalé d'eau du Jourdain, mais il l'a avalé et il a été guéri. Alors, c'est formidable. Alors, aujourd'hui, saisissons cette dimension spirituelle. Peu importe justement ce statut que vous avez. Je ne connais pas votre statut. Vous êtes directeur, directrice. Peu importe le statut que vous avez aujourd'hui, restez humble et enseignable dans votre vie chrétienne et Dieu va vous amener dans une nouvelle dimension de votre vie. Et comme ce chant le mentionne si bien, l'amour va toujours triompher, n'est-ce pas? Alors soyons des gens qui transmettons cet amour-là afin que les gens blessés soient guéris, des gens malades soient relevés aussi et guéris. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons les personnes aujourd'hui qui sont affligées dans leur corps et qui ont besoin de guérison. Il y en a une multitude. Seigneur, ce virus a occasionné beaucoup de dommages. Et nous te prions, nous te réclamons la guérison de ceux qui en sont infectés et la destruction de ce virus interplanétaire, Seigneur, en ce moment, qui est là, qui est mondial. Merci d'agir puissamment. Merci Seigneur de nous faire retrouver une vie normale, je dirais. Et non pas une vie normale pour retourner dans notre confort et pour s'éloigner de toi. Mais à travers, évidemment, à travers ce virus, merci de te révéler à plusieurs. Et Seigneur, nous le voyons tellement. Seigneur, cette pandémie n'a pas empêché de faire connaître ton nom, au contraire. Je crois que cette pandémie a multiplié la connaissance de ton nom. Et merci de nous utiliser, d'utiliser mes frères et sœurs connectés en ce moment, dans leur famille, chez leurs bien-aimés, qu'ils reçoivent de toi aujourd'hui tout ce qu'ils ont besoin. Merci encore une fois, Seigneur, parce que sans toi, où serions-nous aujourd'hui? On est tellement privilégiés, bénis. On peut venir à toi à n'importe quel moment de la journée et pour recevoir ta paix, recevoir une direction. Seigneur, une parole de sagesse à travers ta parole. Alors merci pour qui tu es, pour ta grandeur et ta splendeur au nom de Jésus. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera Alléluia.
lueur, ma vie est restaurée, la haine est terrassée, mon cœur chantera Alléluia. Soyez bénis en cette journée, soyez comblés de sa présence, que Dieu vous accompagne dans tout ce que vous ferez, avec vos familles, vos bien-aimés, les gens que vous côtoierez aujourd'hui. Que Dieu vous accompagne, soyez bénis et Dieu vous lance sa voix demain matin.